Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous explique en 10 étapes comment installer RSRBR sur votre PC. La première étape, il faut créer un dossier baptisé RSRBR 2016 afin d'y stocker l'ensemble des exés que l'on va lancer dans quelques minutes pour pouvoir tout retrouver dans un beau et même dossier. Je tiens à préciser que vous devez avoir votre propre exemplaire de Richard Burns Rally avant de pouvoir réaliser cette étape. Rendez-vous avec l'aide de votre navigateur internet préféré sur le site rallysim.com. Vous y retrouverez les 4 points importants à télécharger pour installer RSRBR. Première étape, télécharger RSRBR lui-même. Vous trouverez un lien avec le petit lien Download RSRBR Server 4. Vous cliquez dessus, normalement, ça télécharge tout seul dans votre navigateur et vous récupérez ça dans votre fichier téléchargement. Faites-en de même pour le premier patch qui sera installé manuellement, lui. Ensuite, eh bien, même opération avec le deuxième patch. Vous avez donc désormais RSRBR et ces deux patchs sur votre ordinateur. Il faut maintenant télécharger le contenu additionnel qui vous permettra d'avoir les voitures et les circuits. Les circuits, c'est un petit peu particulier, vous avez 7 archives à télécharger ainsi que l'exécutif, le premier de la liste, donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vous installez tout cela avec un seul exe, on y reviendra plus tard. Concernant les voitures, je vous invite à télécharger le pack complet qui contient l'ensemble des voitures disponibles pour le jeu et ainsi éviter de devoir faire un tri de j'ai ou j'ai pas telle ou telle catégorie de voitures, 1,25 Go, et vous avez l'ensemble des packs de voitures à votre disposition, c'est téléchargé. La première réelle étape de cette installation est le jeu en lui-même. On recherche le jeu, le dossier que l'on a créé dans notre deuxième disque dur, le disque dur qui pour moi est dédié au jeu, et on va devoir tout installer en sélectionnant ce dossier. On vérifiera à chacune des étapes. On lance le téléchargement du jeu, ça prend une petite série de minutes, rien de bien compliqué, ça n'est pas le plus long, vous allez voir. Grâce à la magie du montage, on se retrouve à la fin de l'installation du jeu. C'est désormais terminé, le jeu est disponible de manière vanilla désormais sur votre ordinateur. La première étape étant terminée, on va maintenant pouvoir passer au mode RSRBR lui-même. Je vous invite à télécharger dans l'ordre les installations. On commence par le mode lui-même avant d'y mettre du contenu, ça paraît logique. Dans l'assistant, vous allez devoir bien vérifier que vous remettez vers le bon dossier. Donc vous allez chercher, puisque là on vous met de base dans le dossier RSRBR 2016, vous avez le dossier Richard Burns Rally, c'est parfait. Alors je tiens à préciser que si vous installez le mode, les voitures et les circuits d'RSRBR, cela peut prendre plusieurs minutes comme mentionné au début de l'installation. Et donc ne paniquez pas, ça dépend surtout de votre PC. Voilà, RSRBR est désormais installé sur la version de base de Richard Burns Rally. On continue avec cette fois-ci une étape un peu plus importante, le pack de spécial. Ici un seul exe à lancer et il va venir rechercher les 7 archives que vous avez téléchargées. Donc c'est très simple, on vérifie qu'on est toujours dans le bon dossier, on lance. Et là par contre vous allez devoir vous armer de patience, 20 à 30 minutes selon vos machines. Sachez que moi avec la machine que j'ai, retrouvez le descriptif dans la description, ça m'a mis 25 bonnes minutes pour télécharger et installer l'ensemble des spéciales. Une fois les spéciales installées, eh bien, il ne reste plus qu'à installer les voitures qui sont toutes dans un seul pack. Vous avez des voitures qui sont pour les plus récentes de la saison 2014, même si le mode est à jour pour 2016. On vérifie qu'on est toujours dans le bon dossier et c'est parti, on lance le téléchargement et l'installation de cette ultime archive. Voilà, normalement vous êtes paré, vous avez désormais l'ensemble du contenu, le mode et ses deux extensions, Rally Pack RSRBR. Attention toutefois, avant de lancer votre jeu, il vous faudra le patcher. Les deux updates sont à installer avec exactement la même procédure et la vérification que l'on va toujours vers le même bon dossier. Et une fois que cela est terminé, voilà, tout est prêt pour désormais pouvoir lancer le jeu. Pour lancer le jeu, rien de plus simple, mais avant un petit message, je vous invite à vous inscrire pour la saison 2017. Sur RSRBR, ça va très très vite et vous pourrez ainsi vous battre contre d'autres pilotes sur les plus belles spéciales du jeu. Si vous êtes un novice, je vous le déconseille parce qu'il faut un petit niveau tout de même. Cette étape étant maintenant passée, nous allons nous rendre dans le fichier du jeu sur notre second disque dur et nous allons lancer l'exe RS Center Alone. Et ici, eh bien, il n'y a plus qu'à s'en donner
à cœur joie, sélectionnez le type de pays. Alors attention, en dessous, vous avez une liste de pays supplémentaires que je viens de voir défiler rapidement. Vous le voyez dans le bas avec Belgique, etc. Si vous sélectionnez, par exemple, l'une de ces spéciales et que vous ne les avez pas installées, eh bien, vous devez les installer également avec la même procédure que je vous ai expliqué tout à l'heure. Rendez-vous sur Rallysim, tout y est parfaitement expliqué. Ensuite, eh bien, le plus dur, c'est encore de choisir le combo voiture-circuit que l'on veut tester. Et ensuite, eh bien, ce n'est que du bonheur. Sachez qu'au niveau de la reconnaissance des volants, il n'y a rien à changer. Tout doit être normalement fonctionnel. En tout cas, c'était le cas pour moi. Et ensuite, eh bien, il vous suffit de vous faire plaisir. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et que vous allez prendre du plaisir derrière ce superbe jeu qu'est Richard Burns Rally et sa version RSRBR. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bonne fête de fin d'année. Salut !